Tignes, c'est Roxy, votre clubbeuse préférée. Nous sommes là, au milieu des montagnes, au milieu de la neige, pour fêter ensemble cette Saint-Sylvestre, que je vous promets, ça va pas être un Saint-Sylvestre comme toutes les autres, parce que l'un des DJ les plus convoités de la planète, il sera là, Laurent Wolf. Là, c'est la scène, là, je vais à sa rencontre. Cette fin d'année, ça va être nos stress, les kikis, et ça va être très, très dense. Alors, Laurent, on est content de te trouver ici à Tignes pour cette fin d'année et pour cette showcase en plein air. Eh ouais, parce que Tignes, bah déjà, c'est la première fois que je vais faire un événement sous la neige. Ça se présente plutôt bien parce que c'est vrai que les événements comme ça, dans le froid, c'est déjà en extérieur, c'est pas évident, mais dans le froid, c'est encore plus dur parce que on peut avoir la neige, on peut avoir du vent, les intempéries. Il y a toujours cette petite difficulté, mais là, je vais aller voir le site tout à l'heure. On est juste en face et le ciel se dégage. Je pense que ça va être vraiment super pour soi. Donc, année 2010 qu'il se prononce grandiose pour toi parce qu'apparemment, j'ai su, corrige-moi si je me trompe, qu'en octobre 2010, tu vas sortir un nouveau album. Ouais. Et en février, il y aura un nouveau single, quoi. Exactement. Là, en fait, j'ai fini le single il y a 15 jours dans mon studio à Toulouse. Et normalement, ça sortira fin janvier ou début février. Je pense que l'album sortira avant octobre, quand même. Et en collaboration un peu de musique, est-ce que tu es fidèle? Tu travailles toujours avec les mêmes personnes ou tu changes? Moi, je dis toujours, on a cette chance en tant que DJ de ne pas être chanteur de notre album. Donc, on peut se permettre d'avoir des voix différentes, de choisir des artistes qui... moi, tous ceux que j'ai choisis sur l'album sont vraiment des voix différentes, atypiques, que j'aime. Et en plus, ce que je trouve génial, c'est sur cet album de pouvoir, d'une chanson à l'autre, passer d'un autre univers. C'est presque une compilation où on peut vraiment mélanger les voix. Ça me permet vraiment d'avoir des univers différents sur l'album. Donc j'ai gardé tous ceux de l'équipe, à part Eric qui prépare aussi, je crois, son album en solo. Ouais. Donc par rapport à l'actualité. Ça t'a permis de lancer quelqu'un quand même. Ça s'appelait comment ton album? Je sais pas encore. Je connais tous les noms des titres, mais je connais pas. Et comment, par exemple, ton faut ex. Pas, faut pas que je dise un nom là, sinon après c'est foutu. Il faut qu'il s'appelle comme ça l'album après. Mais dis-moi, fais-moi découvrir un peu. On va se retrouver plutôt dans un univers électro ou plutôt variété un peu. Non, on va rester dans l'électro, dans le club, mais toujours avec ce. Bon, moi, depuis 2-3 albums, j'ai toujours ce souci d'écriture et de message. Comme Watch My World, comme No Stress, ce sont des chansons, quand on parle couramment anglais, il y a des messages intéressants. C'est pas comme plein de chansons dance où c'est souvent clap your hand, go to the dance floor. C'est des mots dance, mais il n'y a pas vraiment de message fort comme une chanson de variété, une chanson à texte. Moi, j'essaie vraiment de faire des chansons à texte. Et cette fois-ci, ça sera apporté aussi avec un regard sur le monde, comme j'avais fait un petit peu sur l'album Watch My World. En termes d'image, parce que quand même, tu as passé pas mal d'années en étant un DJ exclusivement de club. Bien sûr. Maintenant, tu étais en passage de l'ombre à la lumière depuis 2 ans. Bah, je pense que c'est vraiment l'album Watch My World avec No Stress qui était vraiment un tube mondial. J'ai été numéro 1 dans plus de 60 pays, ça ne m'était jamais arrivé. Et c'est ça cet album qui a propulsé. Ça te fait quoi? Bah, ça fait plaisir. Quelle différence il y a entre Laurent qu'il mixait 3 fois par semaine au Queen pendant 10 ans et Laurent actuel? Il y a une différence qui est énorme déjà et qui est vraiment pour moi un grand plaisir, c'est de jouer à travers le monde, de rencontrer des pays, des cultures différentes. Et les publics sont différents. Voilà, des publics différents. De ne pas savoir, parce que moi j'étais longtemps, comme tu l'as dit, résident Queen, bon, t'es toujours dans le même club, même si les gens changent et tout, t'es un peu au même endroit que là, on voyage, on découvre... Et tu aimes ça? Et puis magnifique, ouais, j'adore. Mais dis-moi, la musique électro, là, c'est vraiment le futur, là. Parce que depuis un petit moment, c'est-à-dire en Italie depuis le début, moi je ne le dis pas,
Mais en France, là, c'est vraiment le truc qui est en train de monter. C'est quoi, tu en penses quoi, par exemple, d'une DJ comme David Guetta? Est-ce que tu auras envie de faire un peu le même parcours à partir aux États-Unis? Est-ce que tu rêves de ça? Bien sûr. Parce que pour moi, David, c'est vraiment l'exemple type de la réussite du DJ français. C'est pour moi le numéro un actuellement. Son dernier album, c'est un carton. Moi, j'ai vraiment beaucoup travaillé pour essayer de faire le même carton à la sortie de cet album. On a une chance, vraiment, c'est vrai en ce moment, parce que moi, dans les débuts de l'électro, les DJ français, on voyageait pas dans le monde comme les Anglais, les Italiens, les Américains. Moi, je me rappelle au début du Queen, on faisait venir Morillo, on venait venir Frankie Knuckles, on fait venir David Morales, qui remixait Jamiroquai, Michael Jackson à l'époque. Pour nous, c'était des DJ stars, mais en France, il n'y avait même pas encore David Guetta, on était vraiment les derniers. Et aujourd'hui, voir le résultat des DJ français dans le monde, c'est vraiment un moteur génial, parce que ça permet déjà de porter le drapeau français dans tous les pays sur la musique électronique. Et en plus, en ce moment, on est vraiment crédible parce qu'on a des tubes internationaux. J'espère qu'en France, le mouvement électro va continuer, parce que c'est vrai que la dance, depuis 3-4 ans, ça a vraiment explosé en France. Avant, c'était quand même un peu plus compliqué, on jouait que dans des clubs branchés. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des petits 12 ans que je les vois, j'ai déjà fait ce genre de concert, ils chantent, ils connaissent les chansons par cœur. Que moi, à 12 ans, je ne sais pas si je connaissais à peine la dance. Eux, ils connaissent déjà tout. Bah donc, on souhaite ton année 2010 très, très pleine de dance. Voilà. Et surtout, pleine de dance. No stress. No stress, exactement. No stress. C'est énorme, hein? Ah ouais, hein? C'est juste énorme. Mais tu sais qu'ici, entre 20 000 et 25 000, l'année dernière, ils étaient 25 000. Personne ne va être là. Et toi, tu vas être enfermé avec les vitres, ouais. C'est ça? Oui, pour éviter les boules de neige. Parce que, par exemple, si je fais une boule et pas, c'est là qui donne l'idée de faire une bataille de boules de neige, je suis mal. Ah ouais. 25 000 boules de neige dans la tête en 2 secondes. Ah ouais, d'accord. Bah en fait, je fais tout au CD. Ouais. Et puis voilà, il y a les 4 platines qui sont raccordées là sur 4 pistes. Ouais. Ce soir, en premier DJ, c'est Joe Mendes qui jouera avec. Lui, c'est une autre configuration avec un ordinateur. Après, vite fait, pendant le feu d'artifice, on va se débrancher et on va brancher les platines CD. Moi, je vais reprendre juste après le feu d'artifice. Donc là, tout contrôle, c'est parfait, ouais, tout ouais, est nickel. Le retour, tout est parfait. De toute façon, là, on est avec des pros, donc tout va bien. En fait, ce soir, je ne fais pas que mixer, il faut aussi que je prépare le dance floor, parce qu'il est tombé de la poudreuse. Donc je vais m'occuper de la piste de danse ce soir pour que les gens soient bien, bien à l'aise et que faire un beau dance floor bien plat. Moi, je reste confiance. No stress, hein? No stress, en fait, c'est facile. Dis-moi ce petit circuit avec moi, sous la dalle et neige, tout ça, c'était... C'est génial, en plus, ça s'est fait au dernier moment. Si j'avais su ce matin en me levant que j'allais damer les pistes, enfin, la piste de danse de ce soir de fun. Dommage que je suis juste en clabeuse et je suis incapable de skier. C'est mon problème. Mais est-ce que les clabeurs skient vraiment? Je sais pas.